Yo pour la partie 94. Bon, on va continuer à rusher. Au menu du warp et on espère trouver des. De quoi faire des moteurs de propulsion plus performants. Donc, pour le vaisseau. Iridium cristal gelé. Tac. Il faudrait tout ça. On est d'accord qu'on n'avait rien actuellement. Système gag qui avait rien. On est d'accord. Ok, donc on repart dans l'autre sens. Stylé. Cargo, il en est où? Il est sec. La planète qui est ici, elle donne quoi? Position fongique? Non. On va scanner tout ça. Ça, celle-là doit être une planète flamboyante, florissante. Jungle, quoi. Gamma. Bon, rien à voir. Autant pour moi. Il est mal. D'accord. Objectif que je ne connais pas. Toi qui es tu? Anomalie planétaire. Pour le principe, on va aller voir. Et ça, biome exotique. Une petite photo. Cette photo je l'ai. Ouais, je pense que j'ai fait toutes les planètes là. Ah, peut-être pas celle-ci. Bonjour. Planète paradisiaque. Oui, c'est pas ce que je cherche actuellement. Oula. Roulez bourré. Allez, on fonce hors de ce système. On warp. Puisqu'on en est là. Techno. Sympa ces couleurs. Vas-y, il m'énerve. Pour la peine, je me casse. Alors, environ 715 des lumières par ici. Un petit peu trop là. Il sent. Hop. Thank you.
recette ça dans cette direction. Non! Ah, bordel. 800, 729, un tout petit peu trop. Mieux. Vroom. Allez hop, 580, 600, 700, un petit peu trop. Hop là. C'est 14, 21, ça fait déjà 2000 années de lumière. Doucement mais sûrement, on avance. Allez, on est reparti. Un quatrième saut dans l'inconnu. 600. Un petit peu trop loin. 700 aussi. Bon, ça fera l'affaire. Et c'est là qu'on cherche un système geek pour le prochain. J'espère en trouver un réacteur. Avec le réacteur des distorsions Sigma ou. Enfin, tôt ou tétat, je serai large. Non, pourquoi je fais ça? Quelle andouille. T'en es même pas encore en juin, il fait chaud. Bordel. High tech aisé. Je sais pas si ça joue sur les probabilités d'avoir ce que je cherche. On verra bien. Where is my ship? Ici. Bonjour. Tu es les yeux rouges, mais veux-tu te rendre utile? Non. Tu n'as absolument aucune utilité. Je suis au volant, hop, j'en paierai ma mère plus tard. Non mais oh,
enregistrement. Le médium c'est facile à trouver, je vais pas faire sûr en prendre beaucoup. Chrysanite, titanium, platinium, plutonium. Et fluide de suspension. Hop, comme ça on a du stock. De plus. Quelle andouille. C'est pas grave. On fera sans. Est-ce qu'il y a du carbone ici? Au moins un petit peu. Est-ce que ça suffit? C'est pas sûr. Non, il m'en manque 8. Tristesse. Bon, il y en aura là-bas. Vérifier ma plantation de plantes glaciales. Comme ça je pourrais faire mon moteur de distorsion. Je suis presque persuadé que mon vaisseau a des plus grandes capacités que mon cargo. Allez. Donc cargaison, nous disions ça, ici, 2, 3, 5, 9, 10, et ensuite les cellules de distorsion elles-mêmes, il me faut du tamium que je n'ai toujours pas, bien sûr, on cherche toujours du tamium, c'est connu. Rate de tamium. En moyenne ici. Exocombi ça donne quoi? Plutonium j'en ai en veux-tu en voilà. Zinc c'est un peu pareil. Donc, vous vendez quoi vous, bande de tanches? Tamium ou pas? Acheter. Ah, déjà ils vendent pas en grande masse, plutonium ils en ont pas. A priori.
tu sers à rien. On peut voir avec un transporteur. Blablabla. Plus intéressant. Pathamium. Et bah écoute, tu ne me sers à rien, je m'en vais et je vais warper ailleurs. Voir si l'herbe est plus verte. Je vais changer de stratégie un petit peu. Je vais warper en boucle et dès que je tombe sur un système geek, j'y fais une halte. Plutôt que de vers tous les 5, ce sera tous les on sait pas combien, mais quand ça arrive, ça arrive. Ils sont stylés les vaisseaux de... les vaisseaux d'exploration par ici. S. C'est le mien, je suis con. Fatigué, hein. Fatigant aussi, je suppose. Des trucs à la forme de vie, plutonium, tamium, ouais, on achète. Allez. Merci. Bonjour. Plutonium, tamium, 157. Bonjour, sympa le vaisseau, et c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Exocombi, warp cell. C'est optimal, mais bon, de toute façon, faut bien du carburant. Hein. Ça sert à rien de se précipiter si on est en rate de cellule de warp dans pas longtemps. Merci. Plom, 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 plom. Votre vie ne m'intéresse pas, c'est ça qui m'intéresse. Le prochain système geek et système geek, je referai un petit tour à la base. Attends. Je vais quand même attendre un quart d'heure que ça repousse vite, on va en profiter. Donc par là, 700 années lumière, ça donne quoi? 171 600. Mieux que ça. Pour la mission, on n'a pas de carburant. Forcément, si on oublie le carburant, on va pas s'en sortir. Si au moins c'était la première fois que ça m'arrivait. Youm.
teste un système geek. On va aller voir ce qui se passe. De toute façon, il me faut toujours de la modification fongique aussi, hein, l'un dans l'autre. Ça ne change pas grand chose au problème de la moisissure de se balader comme ça. Alors, qu'est-ce que t'as à offrir toi? Rien. Rien qui m'intéresse pour l'instant. Cela n'y a aucun intérêt pour moi. Ici. Cactus, non. Et la quatrième, qu'est-ce qu'il dit? Gamma, rien à foutre. Et bah écoute, on va aller voir sur la base. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Me demandez pas pourquoi j'ai cette chanson en tête. Faire distorsion Sigma, j'ai déjà. Distorsion de taux. Cargo, Rex. Ouais, tant pis. Je vais regarder dans le commerce ce qu'il y avait. Il faudrait que j'y retourne, mais d'abord, est-ce qu'ils vendent des choses par ici, les gens? Zinc, iridium, plutonium, rien qui m'intéresse là tout de suite. Plutonium, rien d'intéressant. Next. Une portée de 100 et quelques. Hors de portée de saut, c'est vraiment léger. 52. Ken. Hors de portée, pas de bol. Hors de portée. Là. Ah, si j'avais un cargo comme ça. Correspondre est absent, veuillez rappeler ultérieurement.
là. Casse-toi. Ah, pas possible ça. Quelque chose, toi. Non, clairement pas. Reste à distorsion tôt, déjà connu. Merci. Au revoir, madame. Viens scanner les planètes avant d'aller prospecter ailleurs. Rien d'intéressant pour moi. Ça c'est une lune. Ok, vrai. Notre lune par là-bas. Si je dis pas de bêtises. Bingo. Sur plus 1%, et bien, c'est peu, c'est très très peu. En fait, j'explore plusieurs pistes à la fois. Là, c'est à la fois les moteurs de réaction de propulsion de cargo, le modifier fongique pour mon propre moteur de réaction de vaisseau, vu que j'ai un nouveau vaisseau qui est plus performant, et sinon changer de cargo aussi. Deux de ces strates là nécessiteront du cristal gelé, d'où le fait que je commence à prévoir un farm. Là. Qu'est-ce que tu proposes? 72 000. Ah, trop cher. Chier. Hyperpropulsion, c'était vraiment pas mal, mais. J'ai pas les moyens actuellement. Qu'est-ce que ça vend par ici? Putain, mais c'est un karting ton vaisseau, c'est un smart. Dommage, le saut était sympa, la propulsion était cool, la classe B c'était pas ce que je voulais, mais 18 emplacements ça doit être trop, donc c'est trop cher.
Qu'est-ce qui me saoule l'autre? J'ai rien demandé. Allez, fous la paix. Vaisseau détruit 40. Pas mal, pas mal. Bon, du coup, 100% de ma petite plantation. Est-ce que quelqu'un arrive en face? Absolument pas. Ah, si. Ils sont lents. Combien j'ai de tamium? J'ai tout ça. 5, 650 à peu près. Oui. Qu'est-ce que tu vends, toi? Bon, bon, bon. Alors là, on replante des plantes. Autant que je peux. Le but, c'est d'avoir un stock pharaonique, hein, de toute façon. Et on attaque. On va re-warper en chaîne parce que bon, on peut beaucoup avancer là. Impossible 1. Putain, je manque de carbone maintenant, c'est malin. Comme il y a d'âge, il manque toujours 3 francs pour faire 6 sous.
fort moins 2. Plus encore. Et eh ben, c'est pas mal. 50, il en reste, c'est cool. Stabilisation du niveau de température. Il faut 1000 si je dis pas de bêtises. Dans l'état, une grosse demi-heure, je les ai mis 1000. Sur la base. Allez, on va au cargo et on se casse d'ici. Bonne position fongique. Pas d'intérêt. C'est un saut qui coûte cher quand même de croiser. Chargé ou pas? Si, il l'est. Allez, 700 des lumières par là. Hop là. C'est un ciel de sang. Non, je déconne, c'est juste la décoration. On s'en fout! Hop, 700 par ici. Qu'est-ce que ça donne? Une des dernières du lot là, non, faites ça. Merde. 800. Bon, tant pis, hein. Il y a un gros trou. Donc bon. S'il n'y a pas d'étoiles, hein. Pas de planète et donc pas de zone warpée. Possible, je maudis. Si je peux ressentir des lumières pas distorsion comme ça, on va pas s'en sortir. Hein. Je viens de faire l'équivalent de 3 warps de vaisseau là. Hein. L'air de rien au calme. Impeccable. Ça, c'est de l'optimisation. Touch qualitat, le saut.
passe combien de sauts? Un seul. Ok, donc là c'est geck ou geck. Faute de griffes, on mangera des geeks. Et du geek, impeccable. Que demande le peuple? En fait, ce qu'il faut, c'est 700 années lumière tout droit, et après on cherche une petite sphère autour de là où on est pour trouver une planète, enfin un système de destination. Les geeks. Oh, t'es bien. Pourquoi j'ai des conneries pareilles, moi? Plutonium, rien d'utile, merci. Enfin, non, merci justement. Et toi, avec ton regard vitreux, as-tu quelque chose d'intéressant? La distorsion tôt, déjà connue. Que dalle. Un bruit bizarre ton vaisseau. Hein. Plutonium, pas de carbone, ni de thallium, c'est ce que je cherche pourtant. Les vaisseaux. Tac. Alors, qu'est-ce que tu vends? Rien d'utile, merci. Toi. Es-tu plus utile que ton comparse? Non. Toi, bah, même pas, je te demande. Hein. Au point où j'en suis, je me casse. Youhou! Nyon. Je sais pas ce qui nous attend dans le next, mais j'espère quand même que. Les stations spatiales principalement auront un peu plus de variété de forme. Je parle pas de faire des bases complexes comme dans les systèmes qu'on peut avoir dans Star Citizen, mais quand même. Quoique Star Citizen encore c'est faisable. Technologie rechargée.
plus de 100 000 années-lumière du centre, bordel. Est-ce qu'il y a un truc par ici? Impeccable. Peut-être pas quand même. Y'a pas un truc entre les deux. Voilà. J'avais l'impression que les cargos se foutent totalement si on a le Sigma, Tau ou Theta pour aller dans les étoiles d'une couleur spécifique. Le jeu doit se dire bon, c'est bon, t'as un cargo, tu peux warper, t'inquiète pas. Quelque part cohérent dans le sens où quand tu es avec ton vaisseau qui a une propulsion et que tu es dans un endroit où ton cargo n'est pas censé accéder, bah ton cargo te suit quand même. 600. Il me reste de Tamiam au fait. Rien. Plutonium, j'ai de quoi en faire des centaines, mais Tamiam que dalle. Allez, on va aller visiter ce système. Voir comment je vais voir aller sur ma planète pour trouver un système avec la position fongique au hasard ici, et donc du coup au lieu de finir la vidéo chez moi comme annoncé, je vais la finir sur une planète à la con. Raté. Nya. Tu le sens le mec perdu là? Il est sur sa propre station et il trouve pas son vaisseau quoi. Bon. Planète posée, bulbe d'étoile, rien à foutre. Gelé, pas intéressant. Planète abandonnée, ça ne m'intéresse pas non plus. Lune à la con. Chair de cactus. Il y a combien de trucs là-dedans? 5 planètes, une lune. Il manque encore 2 planètes. Et ben. Derrière là-bas. Bingo. Bulbe d'étoile. Putain, mais c'est que des planètes luxuriantes, c'est dingue ça. Du coup, j'ai fait une prophétie pour éviter de contrer la prophétie que j'avais fait avant. J'ai fini sur ma base. Mais vu que je sentais que ça allait venir. J'ai fait la prophétie que j'allais avoir des positions physiques, donc j'allais pas finir sur ma base. Et du coup, effectivement, si je vais finir sur ma base, il y en a là-dedans. Ouais, rien d'intéressant.
Je vais racheter de l'iridium, j'en ai pas tant que ça. Un petit 500, un truc comme ça. Putain, si je peux voir un vaisseau comme ça. Stylé. Et après on va sur ma planète. Rien d'intéressant comme d'hab. Ça commence à être lassant. Non pas lassa en Inde, ça n'a absolument rien à voir. Rien d'intéressant. Je ne dis pas que vous servez à rien, je dis juste que vous ne mettez d'aucune utilité. A tout hasard. Je sais pas. Monsieur le directeur. Absolument pas non plus. Allez, ciao les nazes. Bordel. Il me faut du tamium en masse. J'ai déjà dit cette phrase, je la redis, parce que de toute façon, elle reste vraie. Stylé ces bestioles. Ça et les deux qui sont sur la pente.
pourrait croire que c'est du zinc, mais non. Ah. Ok, ça commence à pousser. Attends, à l'intérieur. Les warps ont beaucoup ralenti la progression du truc, je pense. Clac. Faute de mieux. Faire allu, tout le bordel. J'en ai largement assez pour la prochaine fois. Eh bien, on coupe ici. Stabilisation du niveau de température. Et la prochaine, bon bah, on aura déjà le réacteur niveau 1 pour le vaisseau. En fonction de son état, on se focalisera sur la position fongique. En x450. C'est une somme. Mais bon. C'est une somme. 450, bordel. N'y pensez. Je le tournis. 450, ça fait. C'est 50 par plante. 9 plantes. Sur une bonne planète, ça prend moins de 20 minutes. Allez. Sauvegarder. Partie 94, fini.